Si. Voilà un peu je dirais, l'écosystème qu'on a en France, où vous avez les talents. Ben, les talents, on va les chercher dans les grandes écoles. On va les chercher chez les chasseurs de tête. On va les chercher aussi dans les grandes entreprises. On verra sur le plateau de Saclay. Vous avez après ben, tout le système de financement. Le système de financement, vous allez retrouver des business angels. Ce sont des gens qui mettent de l'argent et qui veulent aider les entreprises. Vous avez des venture capitalistes. Vous avez des systèmes de plateforme. En fait, de crowdfunding où vous postez votre idée et vous dites ben voilà, je suis à la recherche de 50 000 euros sous forme de dons, sous forme de prêts ou également sous forme de prise de participation au capital. Donc, ça se voit. Vous avez également tout ce qui est les incubateurs ou les espaces de coworking qui se mettent en place et toutes les fonctions support. Et là, on verra effectivement le cas spécifique d'Incuballiance, qui effectivement est un incubateur plateau de Saclay. Et tout ça, en transverse, hein, vous avez des organisations qui s'occupent un peu du networking. Par exemple, la plus connue à l'étranger, c'est la French Tech Viet, hein, qui s'occupe en fait de fédérer les acteurs de tout ce qui est entreprise technologique. Au Vietnam, par exemple, vous avez Business France, vous avez des structures étatiques qui vont aider finalement à mettre les gens en relation les uns les autres. Et puis, vous avez tous les médias spécialisés qui vont effectivement aborder ces différents points.